Marie. Salut Gabriel. Est-ce qu'on ferme tout? Les vidéos, les micros? Non, ben, le micro, oui, pour la présentation, mais moi, je suggère, je ne sais pas pour mes collègues, mais c'est toujours plus sympathique si on est visible, à défaut d'être ensemble physiquement, on va être ensemble. Bonjour tout le monde. On va peut-être attendre encore une minute ou deux avant de débuter. Attendre que tout le monde se connecte. A few technical notes for those of you who speak English. This is a bilingual event. There's an automatic translation. You can click on the button on the lower half of your screen where it's written translation. It looks like a little round shape, and you can select English. Les présentations vont être faites en français. Et je vais débuter comme ça tranquillement en vous lisant des mots nouveaux de Felwine-Sarr, de Dr. Felwine-Sarr. Donc, ça va comme suit. La réponse à la plupart de nos questions est conditionnée non seulement à ce que nous soyons en mesure de concevoir la pluralité, mais également l'incomplétude des cultures, des civilisations et des groupes humains. Cette incomplétude est capitale, puisque si on la conçoit, on admet du même coup que l'interaction avec les autres nous est nécessaire, car elle nous... L'interaction avec les autres nous est nécessaire, car elle nous accomplit. On sortirait ainsi d'un rapport de surplomb où l'on continue de projeter ses lumières sur les autres. Cet imaginaire a la vie dure dans l'Hexagone. Chaque jour, on peut lire et entendre des expressions telles que la puissance de l'Europe, les valeurs occidentales, l'influence de la France. On se plaît à habiter ce lieu d'où l'on projette ses propres représentations et configurations intellectuelles et sociales sur le reste du monde.
qui n'aurait qu'à s'y conformer. Cela signifie qu'on ne se considère toujours pas comme membre d'une totalité interactive de laquelle on apprend et reçoit en même temps que l'on donne. Je tiens à relire cette dernière phrase. Cela signifie qu'on ne se considère toujours pas comme membre d'une totalité interactive de laquelle on apprend et reçoit en même temps que l'on donne. Si on n'arrive pas à le concevoir, on ne comprend pas pourquoi on doit accepter la pluralité des normativités, la pluralité des rapports au temps. Les cultures sont des productions d'être. Elles engendrent une multitude de visages de l'expérience humaine, mais qui ne sont que les différents aspects de notre expérience commune. Et cet imaginaire pluriel est à construire si on veut réellement habiter le monde. Je pense que ça ouvre bien ce panel d'ouverture de l'Association canadienne d'études du développement international présentant Phil Winsor en conversation avec Jeanne-Marie Rouguera. Donc, dans l'attente de se voir en personne, on devra se contenter de se voir virtuellement, mais ça promet d'être une présentation très intéressante. Comme je le disais plus tôt, si vous voulez allumer les caméras, en tout cas moi, pour ma santé mentale, ça aide beaucoup en ces temps difficiles de vous voir au moins le visage. Donc, nous allons entendre une discussion. Ce ne sera pas une présentation formelle, on préfère la forme discussion. Puis, nous ouvrirons une période de questions, d'échanges avec les personnes dans l'assistance. Donc, gardez vos questions ou écrivez-les dans le chat. Je m'appelle Malika Sundarji. Je travaille à l'École de développement international et mondialisation de l'Université d'Ottawa. Je suis également membre du conseil d'administration de l'ACDI, l'Association canadienne des études sur le développement international. Donc, dans des conférences comme celle-ci, il est évidemment essentiel, crucial de reconnaître que nous habitons sur des terres non cédées, des terres volées aux populations autochtones du territoire qu'on appelle aujourd'hui le Canada. Pour ma part, je réside sur les terres de la nation Mohawk, Kanien-Kehaka, ce qu'on appelle aujourd'hui Montréal. Mais là, au-delà de la performativité de cette chose-là, je trouve encore plus important aujourd'hui de reconnaître notre propre rôle dans la continuité du colonialisme. Et donc, je tenais à mentionner la découverte récente, pour ceux qui ne savaient toujours pas, la découverte au Canada de 215 restes d'enfants autochtones enterrés dans une fosse commune sous une école à charte, dans la province qu'on appelle aujourd'hui la Colombie-Britannique. Donc, ces pensionnats, les écoles à charte, ont servi à perpétrer un génocide culturel et ont existé au Canada jusqu'en 1996. Donc, ce n'est pas une histoire lointaine, c'est une histoire présente. Ces pensionnats ont servi à assimiler et, comme disait Johnny MacDonald, à tuer l'Indien dans l'enfant. Donc, ce n'est pas un monde différent de celui dans lequel on vit. Ça a été découvert la semaine dernière et c'est une preuve tangible de notre passé et de notre présent colonial. Je pense qu'on ne peut pas penser le développement international sans penser au colonialisme dans les pays occidentaux, comme le Canada, ou au colonialisme ayant cours actuellement dans des endroits comme la Palestine, le Myanmar ou le Tibet, par exemple. Puis les panels de cette semaine portaient sur cette thématique. D'ailleurs, je vous invite évidemment à aller voir l'horaire complet sur le site de la CDI. Et d'autant plus que le thème de la conférence cette année est « Décoloniser le développement ». Il y a bien des égards, et là je me permets une petite note éditoriale, on m'a donné le micro, je le prends. La décolonisation et le développement sont des termes un peu contradictoires, car l'industrie là, du développement international dans son ensemble a des racines coloniales, ça on l'admet. Mies et Shiva, par exemple, affirment que durant la colonisation, la nécessité de civiliser les populations du sud global, autochtones, africaines, entre autres, s'est lentement transformée en la nécessité de les développer. Le développement, donc, réfère, le terme même de développement réfère à une échelle de moins développée à plus développée, puis donc perpétue un imaginaire colonial, une hiérarchie racialisée coloniale. Puis par nos pratiques, à de nombreux égards, on perpétue des imageries puis des pratiques hiérarchiques de pouvoir avec nos partenaires du Sud quand on est dans des pays occidentaux. Donc, aujourd'hui, nous nous demanderons ensemble, est-il même possible de décoloniser le développement? Est-ce que ce n'est pas une antithèse de parler de décolonisation et de développement dans la même phrase? Est-ce qu'on devrait parler de décolonisation de la pensée
Mais donc, je suis impatiente d'entendre ce que Phil Winsor et Jeanne-Marie Rougrain ont à dire à ce sujet. Je vous les présente brièvement. Vous les connaissez sûrement. Mais sinon, professeure Jeanne-Marie Rougira est une Québécoise d'origine rwandaise. Elle est professeure au département de psychosociologie et de travail social à l'Université du Québec à Rimouski. Elle est aussi, et je dirais même avant tout, poétesse et militante féministe décoloniale. Professeur Phil Winsor est un humaniste, un philosophe, un économiste, un musicien. Aujourd'hui, il est titulaire de la chaire Anne-Marie Bryan d'études françaises et francophones à l'Université de Duke. Il était auparavant doyen du département d'économie et de gestion de l'Université Gaston-Berger au Sénégal. Il est l'auteur du livre acclamé, je dirais, Afrotopia et du rapport The Restitution of African Cultural Heritage Toward a New Relational Ethics. En 2016, il a aussi co-créé avec Achille Mbembe les Ateliers de la pensée qui visent à stimuler une école de pensée non coloniale. Bref, là-dessus, Jeanne-Marie et Philwin, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci, Banka. Bienvenue, Féluine, depuis mon Afrique natale, qui est ici maintenant. Tout d'abord, je remercie l'Association canadienne pour l'étude du développement international de nous avoir invités et d'avoir ainsi voulu centrer des voix africaines dans cette large conversation sur un thème pour le moins audacieux et ma foi inspirant, à savoir, comme disait Maïka, la décolonisation du développement international. On dirait un chiasme. Féline, tu es pour moi un grand esprit du continent. Tu es de la génération après la mienne, un brillant esprit, un inspirant petit frère, comme on dit chez nous. Tu es de la génération qui ouvre les horizons des possibles et soutient l'espoir de nos enfants. Nos hôtes, chère Féline, n'y vont pas avec le dos de la cuillère ce matin. Ils avancent d'emblée par eux-mêmes que la notion même du développement nomme le projet colonialiste. Donc nous ne pouvons ignorer ni les effets d'exploitation, de dépossession, d'esclavage, ni ceux des migrations, tantôt forcées, tantôt empêchées, ou encore de militarisation sur les peuples autochtones, sur les peuples noirs, ou d'autres groupes marginalisés considérés comme subalternes. Je voudrais te donner la parole dans un premier temps pour t'entendre sur cette notion même du développement en général, comme sur celle encore plus problématique, à mon avis, du sous-développement. Je te laisserai la parole pour que tu nous partages ce que tu penses de ces deux notions. Merci Jeanne. Donc j'aimerais d'abord dire le plaisir qui est le mien d'être avec vous aujourd'hui et de converser sur cette idée de développement à décoloniser. Donc un grand merci à Maïka, un grand merci à l'association. Alors pour vraiment entrer dans le vif du sujet, je pense qu'un peu de contexte historique est peut-être utile. Mais juste que l'idée que les groupes humains ont toujours essayé de croître, de répondre à leurs besoins, de se déployer, de grandir, d'être dans une dynamique que l'on pourrait qualifier de progrès social, est une idée qui est universelle. Je veux dire, depuis que les groupes humains sont groupes humains, quoi. C'est l'histoire de l'humanité qui peut être lue sous le prisme du désir de vie, du désir de croissance, du désir de rendre la vie durable et du désir de déploiement et de franchir les horizons et les limites. Il se trouve que après la Seconde Guerre mondiale, je commencerai par là, peut-être bien après le projet colonial, et bien que les liens soient clairement établis, je veux dire la mise en valeur des terres, le projet civilisationnel, bien que mais il y a quand même un tournant. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a ces deux grands blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, et puis il y a Truman qui cherche dans son discours sur l'état de la nation à définir des axes qui vont configurer sa politique internationale pour les années à venir. Et en plus des axes classiques, donc continuer à fournir de l'aide à l'Amérique latine, il y a un de ses rédacteurs qui lui conseille de rajouter que l'aide qu'il fournissait, l'aide technique et économique qu'il fournissait à l'Amérique latine, ils vont l'étendre à tous les pays qui sont économiquement backward, qui sont économiquement arriérés.
Et cette idée, elle se retrouve dans le discours, et le discours est diffusé à grande échelle. Et la notion de sous-développement, entendue comme un état d'une société qui n'a pas atteint un état désiré et souhaité, qui s'appelle le développement, et dont l'image et la société américaine, le reflet, apparaît pour la première fois dans ce champ-là, sous ce rapport-là, et selon cet entendement-là. Pourquoi est-ce que ce moment est important? Le terme développement existait déjà dans beaucoup de champs disciplinaires. On développe une pellicule, on développe une équation mathématique. Les plantes se développent, c'est un terme intransitif, mais on ne développe pas. On ne considérait pas qu'on pouvait avoir un sujet qui, par une action, allait induire le développement d'un autre sujet. Ça a toujours été un terme intransitif, avec une métaphore biologique importante, comme les organismes vivants qui se développent eux-mêmes. À partir de ce moment-là, le terme a pris un caractère transitif, celui d'une action qu'un agent exerce en vue de produire du développement. Donc, une situation qui nécessite l'action d'un autre sur un agent. Mm-hmm. À la même époque, le terme sous-développement est créé et le terme sous-développement a une continuité co-substantielle avec le terme développement. Les deux termes sont liés. Et on suppose, on naturalise le sous-développement. Le sous-développement serait un état de handicap, de déficit, de manque qui serait naturel. Donc, on évacue toutes les causes historiques qui peuvent expliquer une certaine situation. Et puisque les deux termes sont liés co-substantiellement, donc, du sous-développement, on doit aller vers le développement. Et il y a un chemin qui existe, qui a déjà été emprunté par des nations. Et il y a la possibilité qu'un agent exerce une action en vue de faire quitter un groupe d'individus, un pays, de la situation naturelle sous-développement vers le développement. Et c'est très intelligent parce qu'on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains se posent la question de savoir comment faire pour ramener un nombre d'États fraîchement décolonisés dans leur giron. Ils sont en concurrence avec l'URSS de l'époque. On ne peut plus utiliser le terme civilisation. La Shoah, Auschwitz est passée par là. Le fait colonial est passé par là. Les guerres de décolonisation sont passées par là. Et la grande idée de nation qui civilise d'autres, ben, c'est devenu difficile après les camps de concentration nazis donc d'utiliser ce concept-là. Mais quand même, on trouve un concept qui permet de créer une échelle normée sur laquelle on classe les nations. Donc, il y a les nations développées, il y a les nations qui sont sous-développées. Avec un critère qui serait un critère objectif, un critère scientifique, le produit intérieur brut, le produit national brut. Certains prennent la tête du classement et d'autres sont au bas de l'échelle. Et donc, on reproduit la même mécanique qui consiste à comparer les aventures sociétales des groupes humains et à considérer que certains sont en avant, d'autres sont derrière, et que les aventures, elles sont comparables, elles sont commensurables, mais surtout à considérer qu'il y a une forme ultime, unique, de progrès social, de modalité de réponse à ses besoins, de modalité d'organisation de la vie économique, culturelle, à laquelle toutes les nations doivent tendre. Alors, les nations fraîchement décolonisées, qui retrouvent leur nom, qui retrouvent un pouvoir d'autodénomination, d'autoproduction, renonce à cette pluralité de genèse socio-économique culturelle parce qu'elles sont acquises à l'idée que le progrès, le bien-être ne peut se formuler que dans la modalité qui leur est indiquée comme étant celle du développement. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que il y a un vrai désir de convergence vers un modèle unique qui est présenté comme étant, voilà, comme étant le benchmark. Et tout ce qui est entrepris pour améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Et c'est pour ça que le concept est difficile à traiter, puisqu'il est rentré dans les imaginaires sous le rapport du souhaitable. C'est-à-dire, lorsque je disais à mes étudiants à Gassenberger, est-il souhaitable de se développer? Ben, ils m'ont dit tous avec un air un peu inquiet, en se disant, mais le prof, il ne souhaite pas qu'on accède à l'éducation, à la santé, au bien-être, à la bonne gouvernementalité, politique, parce que toutes les aspirations vertueuses de l'humanité, désormais, peuvent être entendues sous le couvert de ce mot valise, et avec une difficulté à concevoir des trajectoires sociétales différentes,
mais qui répondent aux besoins des uns et des autres de manière adéquate. Et c'est là où le concept a eu, je dirais, une puissance de subjugation en se présentant comme étant la seule modalité de réponse adéquate aux besoins des groupes humains et le seul chemin à suivre. D'une part, en impliquant que l'histoire était linéaire, que l'on partait d'une situation A vers une situation B, que les étapes étaient identifiées. Donc, Rostov, dans les années 60, écrit ce texte, les étapes du développement économique, avec « The Stage of Economic Development », donc révolution agricole avant révolution industrielle, avant décollage, etc., etc. Donc, on linéarise l'histoire, on l'uniformise, on fixe des étapes, on installe les nations dans une échelle normée, donc, etc., etc. Et puis, on réduit la pluralité des aventures sociétales, la possibilité des aventures sociétales. Et le terme s'installe dans nos imaginaires et devient évident. Il devient évident. Et toutes les nations africaines décolonisées, je veux dire, si vous allumez votre téléviseur à 20h et que vous regardez les programmes du 20h du journal, je vous mets au défi de compter le nombre de fois où vous entendez le terme développement. C'est-à-dire que les nations veulent se développer. C'est devenu le principal projet des nations. Il y a la démocratie, il y a la modernité, et il y a le développement. Et donc, toutes les élites politiques, elles ont pour but de développer. Donc, ça veut dire qu'elles acceptent implicitement qu'elles sont dans un état. Déjà, il y a une diplomatie du vocabulaire. Donc, elles acceptent la terminologie d'être sous-développées. Donc, une terminologie handicapante. Et elles résument leur être au monde et les modalités de leur présence au monde. Elles totalement les subsument sous la catégorie des lieux de leur déficit, de leur handicap et de leur manque. Elles ne se nomment pas à travers leur force, leur richesse et leur capacité. Elles se nomment à travers là où elles sont en deçà d'eux. Et dernier élément, il y a la comparabilité. La comparabilité, c'est-à-dire que ce qui est accompli à partir d'un état donné et la dynamique à partir d'un état donné vers un état ultérieur ne compte que s'il est mis en relation, en comparaison avec ce que les autres ont fait. Et donc, du coup, les nations ne sont pas sur la même ligne de départ, elles n'ont pas les mêmes conditions initiales, elles n'ont pas subi les mêmes chocs historiques, elles n'en sont pas au même moment de leur histoire, et pourtant, on passe leur temps à les comparer avec des critères qui sont apparemment objectifs. On va vous dire, le Sénégal et la Corée du Sud en se sont arrivés le même produit intérieur brut, comment se fait-il que 40 ans après, la Corée du Sud est décollée et que le Sénégal n'est pas décollé? Et on oublie que deux courbes qui se croisent en un point peuvent avoir des pentes différentes. L'autre était dans cette dynamique-là et l'autre était dans la dynamique. Et que ce qui est fondamental, ce n'est pas de dire qu'à tel point elles se sont croisées, ce qui est fondamental, c'est de voir sur quelle dynamique, sur quelle trajectoire elles étaient et quels sont les éléments qui déterminent cette trajectoire. Et dernier élément, donc pour juste ne pas être trop long là-dessus, c'est qu'à partir de ce moment-là, bien évidemment, les nations ont des défis qu'elles doivent relever, des défis économiques, des défis sociaux, des défis éducatifs, des défis culturels, des défis politiques. Et la critique du développement ne consiste pas à nier le fait que les groupes humains ont des défis à relever et que la question qui se pose à eux, c'est comment répondre à ces défis de la manière la plus adéquate. Bien évidemment, ça c'est un fait. Mais l'hégémonie de la catégorie développement fait que fondamentalement, on en arrive à ne plus regarder les sociétés telles qu'elles s'offrent à nous, telles que leur histoire les révèle, telles que leur réalité les exprime, mais on passe notre temps à les regarder à travers une grille de lecture qui sont les catégories qui évaluent le degré de développement des nations ou pas. Donc, en fait, on ne les voit pas. On les voit au regard de ce qu'elles auraient dû être. Donc, on leur imprime une vision téléologique. Elles doivent être développées, et être développées, voici ce que ça signifie, puisqu'on en a une image dans les nations euraméricaines. Et donc, on ne les regarde pas telles qu'elles sont, on passe notre temps à les regarder telles qu'elles devraient être. Et donc je m'arrêterai là donc, pour l'instant, Jeanne. Merci beaucoup, Kevin. Merci vraiment. Cette perspective historique était essentielle pour nous aider à rentrer dans ma deuxième question, en fait, qui serait, d'après toi, Maïka l'a déjà bien positionné au début de cette conversation-là, comment s'articule la question du développement avec la question de la décolonisation des esprits, des imaginaires, des territoires, des économies, voire même des épistémologies?
C'est absolument important de se dire qu'en fait, en tout cas sur le continent africain, en Amérique latine, c'est une temporalité historique beaucoup plus ancienne. Et le fait colonial est resté beaucoup plus longtemps, mais l'heure de colonisation a maintenant à peu près 2 ou 3 siècles. Donc la question, elle se pose différemment. La nôtre est encore assez récente dans le temps de l'histoire. Il faut juste considérer que dans les années 60, ben, les nations accèdent à ce qu'on appelle la souveraineté internationale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en principe, elles ont la possibilité de configurer leur destin, de faire leurs choix fondamentaux. Donc elles doivent reprendre site dans leur propre être. Donc, c'est ça la question, je veux dire, avec une forme d'intérêt. Donc, voilà, elles ont été aliénées, leur processus historique a été interrompu. Et quand elles décident de reprendre site dans leur propre être, elles le font avec ce que j'appellerais les catégories de l'hétéronomie. C'est-à-dire que le premier dispositif que le fait colonial laisse, c'est l'État-nation, qui est un dispositif de contrôle. C'est-à-dire que la gouvernementalité politique, la forme politique, comme si il y avait une amnésie institutionnelle, comme si ces groupes humains n'avaient pas, sur la longue durée de leur histoire, expérimenté des formes du politique, des formes de délibération, des formes de production du pouvoir, de transmission du pouvoir, de contrôle du pouvoir, des formes de participation du pouvoir, et même des formes, dans certains cas, que l'on pourrait qualifier d'éminemment démocratiques, puisqu'elles avaient organisé la circulation de la parole qui opère, la participation du plus grand nombre et le contrôle du pouvoir, et des formes plurielles. Donc, on a une totale amnésie institutionnelle, et les nations entrent dans un cadre, dans un moule, qui est l'État-nation, avec le désir d'appartenir, d'être dans le concert des nations, c'est-à-dire d'avoir un siège, de siéger à l'ONU, d'être reconnu, et d'épouser une forme, l'État-nation, qui n'est peut-être pas la meilleure pour elle. Il y a des États plurinationaux, il y a des frontières qui sont arbitraires, il y a des histoires sociétales qui font que, dans certains endroits, il n'y a pas d'homogénéité entre l'ethno et la nation. Ce n'est pas le cas en Europe après le traité de Westphalie, où l'Europe était relativement homogène. On pouvait mettre une nation sur un État, sur un territoire. En Amérique latine, il y a des États plurinationaux qui ont inventé des formes. Mais c'est important de dire que les cadres et les catégories principales dans lesquelles s'installe la nouvelle dynamique politique, économique et sociale sont les cadres empruntés au fait colonial et dont on ne s'est pas interrogé, dont on n'a pas interrogé la pertinence pour la reprise, je veux dire, de la configuration de son propre destin. Et c'est la même chose dans tous les domaines, dans la production institutionnelle. On a oublié que les institutions sont des lieux immatériels d'abord où les choses s'instituent. Ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas le Parlement, c'est de se poser la question de savoir dans tel groupe social où s'instituent les choses, qu'est-ce qui légitime le pouvoir, où se règlent les conflits, quels sont les mécanismes qui existent pour que la société puisse répondre à ses propres besoins. On prend les institutions, on les plaque, avec toujours l'idéologie de la modernité, du développementisme, la modernité vue, envisagée comme l'antinomie de la tradition qu'il faut totalement dépasser, et avec l'idée que toutes les ressources qui sont issues de ce que l'on appelle la tradition, donc la matrice culturelle, sont obsolètes et il faut entrer de plein pied dans un temps nouveau. Et en oubliant que toutes les sociétés se fondent sur elles-mêmes, je veux dire, elles se fondent sur de l'ancien, sur de l'arché, et elles transmettent dans le temps une matrice culturelle qu'elles révisent pour répondre aux nouveaux besoins, puisque les sociétés ne se réinventent pas à chaque époque. Elles ont besoin d'un geste de transmission pour durer dans le temps. Et ce geste de transmission-là, ben, on l'obère, on dépossède ces sociétés de leur capital culturel et de toutes les ressources qui sont importantes pour elles, sous le prétexte qu'elles seraient arriérées, qu'elles seraient archaïques et qu'il faut qu'elles rentrent de plein pied dans la modernité. Donc, on épouse ces catégories. Ben, sur le plan économique, durant le fait colonial, le colon veut mettre en valeur ses terres et en extraire les ressources, les minerais, les matières premières, les transformer en biens économiques, produire de la richesse. Ben, l'idée de la mise en valeur, c'est-à-dire que voilà, ici, il y a un capital qui pourrait produire des ressources dans le temps et qu'il ne faut pas le laisser végéter comme ça. Cette idée-là, elle est au cœur de l'idée du développement économique. C'est-à-dire que c'est en l'État, et puis il y a l'idée de la naturalité. Il y a l'idée de l'action de l'humain sur la ressource qui est dite naturelle et de laquelle on produit de la plus-value. Et donc, et c'est la même idée.
Donc, on ne dit plus mise en valeur, mais on dit on développe les territoires. Parce qu'on les fait passer de l'état de potentialité, la potentia, à l'actus. Il y a quelque chose ici en germe, mais qui n'a pas atteint son plein déploiement. Et on va exercer une action pour extraire le plein déploiement. Sur l'épistémologie, sur les savoirs, sur les disciplines qui sont enseignées, sur comment on conçoit l'éducation, ben, on emprunte de manière acritique. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de dire que le projet de l'autonomie devait être un projet autarcique, bien évidemment. Je veux dire, les cultures et les civilisations humaines, ben, elles sont incomplètes, elles sont dans l'incomplétude, elles sont toujours auto-empruntées. Les agriculteurs qui sont sur la même latitude géographique se sont toujours empruntés des techniques, et peu importe. Ce qui les intéresse, c'est que ça fonctionne et que ça accroisse la production agricole. Et si on regarde les innovations agricoles, on verra qu'elles suivent les longitudes et les latitudes du climat. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le même climat et le même sol, vous n'empruntez pas la technique chez l'autre, puisque ça ne fonctionnera pas chez vous. Si vous avez le même sol et le même climat, ben vous empruntez les techniques et les techniques s'échangent. Et l'emprunt intelligent aux autres a été une donnée, je dirais, standard, normale, de l'interaction de tous les groupes humains. Donc la question, elle n'est pas celle-là. La question, elle est celle du choix de ce que l'on prend et que l'on articule avec ses propres archives pour faire de l'assimilation créatrice et produire, je veux dire, une production d'être qui est en cohérence avec ces données historiques, géographiques, culturelles. Et c'est ce qui ne s'est pas opéré fondamentalement. C'est-à-dire que la plupart des nations africaines ont été sous le règne du régime de la greffe et de l'hétéronomie. Il y a les greffes qui prennent, elles mettent du temps. Des fois, les organismes rejettent la greffe. Et des fois, il faut un temps long pour qu'il y ait une adaptation, etc. etc. Et si on prend les grandes deux catégories, du politique, du culturel, le culturel moins, la résistance, c'est l'espace où il y a eu plus de, je dirais, résistance à l'hétéronomie. Mais le politique, l'institutionnel, l'économique ont été totalement sous le régime de l'hétéronomie. Et donc, du coup, certains ont essayé des voies nouvelles. Je signerai en Tanzanie avec les villages Ujamaa une sorte de socialisme à l'africaine, mais qui n'a pas fonctionné pour des raisons que l'on pourrait évoquer. Nkrumah, le rêve panafricain qui a avorté pour plusieurs raisons, même si ce rêve-là s'installait dans la catégorie de l'État-nation et de la fédération africaine, il n'avait pas remis en cause cette catégorie-là, mais il y avait l'idée de vouloir dépasser les frontières de 1885 Berlin, de créer un grand État fédéral africain, etc., etc. Certains ont voulu tenter des voies un peu plus originales, Mumié, Lumumba, assassinat, meurtre, entrave, etc., etc. Et donc, du coup, la plupart des nations se sont retrouvées dans un geste où s'émanciper voulait dire imiter et réussir l'imitation, faire comme. Et donc, s'installer d'emblée dans une relation de tutelle et de subalternité, puisque vous imitiez ben, ceux qui avaient déjà parcouru le chemin, et donc la coopération. Donc, ils devaient vous indiquer comment faire. Vous vouliez construire une université, donc vous faites appel à des coopérants qui viennent répliquer l'université de Bordeaux à Dakar, etc., etc., et qui pensent les curriculums. On ne les pense pas en cohérence avec les besoins de la société, on ne les pense pas en cohérence avec l'histoire des groupes humains. Et donc, dès le départ, cette idée de rattrapage, cette idée de retard, cette idée de devoir se développer, cette idée de devoir s'inscrire dans le temps du monde, et ce monde-là étant le monde produit par les autres, duquel on n'est pas coproducteur, puisque notre production d'historicité n'est pas considérée comme étant une référence, comme étant une valeur en elle-même, et le temps du monde et ce monde étant le monde des autres, le monde déjà habité par les autres, que vous devez vous habiter en vous dévêtant de vos oripeaux, en vous moulant, etc., etc., et puis en entrant en conflit avec vos cultures à certains endroits. Et je pense que ça a été peut-être une sorte de péché originel. Maintenant, je sais qu'il est très facile, ex post, des années plus tard, de le regarder et de le lire comme ça et de ne pas assez rendre justice aux difficultés, aux contraintes, à la difficulté d'une production d'une radicale nouveauté. Et on pourrait aussi considérer que le contexte historique était fortement déterminant et qu'il est difficile de s'extraire des déterminations de l'histoire. Donc, je vois les limites de cette analyse. Mais j'ai le sentiment qu'en fait, le vrai processus de, en tout cas, ce qui sous-tend
une vraie émancipation, et c'est ce que Frantz Fanon dit dans les Derniers de la Terre, il dit attention, on va gagner les indépendances, mais on risque de perdre la révolution et l'émancipation. Et c'est deux choses différentes. Accéder aux indépendances, on y arrivera, mais est-ce qu'une fois les indépendances acquises, nous serons fondamentalement émancipés? Et il a passé son temps à mettre en garde contre le risque de non-émancipation qui était inscrit si nous reprenions les mêmes structures et que nous ne les interrogions pas et que nous ne les réinventions pas. Donc, le travail de reprise acritique des structures qui ont déterminé la marche politique, historique, culturelle et économique des nations africaines, pour moi, ça a été peut-être l'une des grandes limites. Et après, la grande difficulté, c'est qu'une fois que l'on est au milieu du gué, qu'on n'y arrive pas vraiment, le dilemme se pose. Est-on en mesure de revenir en arrière? Nous sommes dans un monde globalisé. Faut-il continuer la marche pour finalement achever le processus qui est à mi-chemin? Et ça pose des questions complexes au cœur desquelles nous sommes. Je veux dire, si vous voulez réinventer une économie, qu'est-ce que vous faites de l'économie néolibérale dominante dans laquelle vous êtes un peu, mais qui ne joue pas en votre faveur, mais vous y êtes déjà? Et qu'est-ce que vous faites? Et à partir de quel sol on envisage un nouvel élan? Et c'est les questions dans lesquelles nous sommes. Mais il y a quelque chose qui a été raté dans l'inventivité, dans la réinvention de ces formes et dans le désir d'adopter des formes qui étaient déjà achevées ailleurs, comme s'il y avait des prêt-à-porter sociétaux qui suffisaient juste de se mettre sur les épaules, de mettre un manteau sociétal qui n'était pas issu de votre histoire endogène. Et c'est une question délicate, mais il me semble que la question elle est là et que l'épistémologie, ben, elle est au cœur de ce processus-là. Jeanne-Marie, ton micro est fermé. C'est ça. J'en profite pour demander à M. Sartre de ralentir un petit peu le débit pour la traduction. Right. OK, parfait. Féluine, quand j'ai lu pour la première fois ton magnifique livre Afrotopia, le premier mot de ce livre-là, c'est « L'Afrique n'a personne à rattraper ». Pour moi, c'est un... Comment je dirais, c'est une bible de la décolonisation, non seulement de l'Afrique, mais aussi de nos esprits. Et plus loin, un peu plus tard, avec ton ami Achille Mbembe, vous allez avoir cette idée géniale des ateliers de la pensée de Dakar. J'aimerais que tu nous parles du rêve que portent ces ateliers, de ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant, mais surtout de la vision qu'il y a dedans pour les années à venir, concernant cette question-là, toujours cette articulation, développement, décolonisation et ce défi que tu définis bien dans Afrotopia quand tu dis que nous avons comme personne, comme culture et comme société à aller, à être à la hauteur de nos potentialités plutôt qu'à vouloir imiter. J'ai l'impression que les ateliers de Dakar, ça a toujours été une, comment je dirais, à la fois une ethos et une praxis de cette pensée-là. Oui, absolument. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on peut faire le constat après 60 ans qu'on fait l'expérience de crise économiques, de crises éducatives, de crises politiques importantes sur le continent africain. C'est un fait, il faut juste le regarder en face. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce qu'on en est là. Et on se rend compte que, contrairement à ce que beaucoup disent, le chantier de la pensée sur ces réalités était à reprendre. On ne pouvait pas considérer que les catégories qu'il est censé décrire le continent était valable et qu'elles étaient des vérités, je veux dire, atemporelles. Et ben, ces vérités atemporelles-là, elles ne nous ont pas menés loin. Je veux dire, toute la réflexion sur le développement, tous les modèles de développement ne nous ont pas menés très loin. Tu vois, presque, je veux dire, trois quarts de siècle plus tard. Toute une production, je dirais, intellectuelle qui tente de saisir le continent dans ses dynamiques ne nous a pas menés loin. Et il nous avait semblé qu'il était important de reprendre déjà le chantier, ce chantier-là, de nous repenser nous-mêmes, de reprendre l'initiative théorique, de cesser d'être les objets de la pensée des autres, je dirais, ceux sur qui on déploie ces capacités d'analyse, mais qui sont incapables eux-mêmes de se regarder et de penser leur destin. Donc c'est absolument important de faire ce geste.
Et de comprendre aussi fondamentalement que si nous voulions transformer nos sociétés, si nous désirions avoir une praxis transformatrice, nous ne pouvions pas faire l'économie de reprendre les chantiers de la pensée et de comprendre de manière beaucoup plus fine ces sociétés qui sont en dynamique, qui évoluent, qui ne sont pas statiques, qui ne sont pas figées. Et on ne peut pas considérer que les catégories des années 70 sont toujours absolument pertinentes pour les refléter dans leur mouvement. Donc ça veut dire que le chantier de lucidité et de compréhension fine des dynamiques sociétales, culturelles, anthropologiques africaines est toujours à reprendre. On ne peut pas considérer que c'est un continent que l'on a compris une bonne fois pour toutes. Et c'est un continent qui a été largement l'objet du regard des autres. Et être aliéné, c'est toujours se chercher dans le regard des autres. C'est être incapable de se voir autrement que dans le regard de l'autre. Et en 62, je pense, René Dumont écrit « L'Afrique noire est mal partie », 2 ans après les indépendances. Je veux dire, bon. Donc, la question, c'est que pour déjà définir quelle est mal partie, il faut déjà définir où est sa destination, où est-ce qu'elle va d'abord, tu vois. Et, mais ça voulait bien dire l'éthos, je dirais, afro-pessimiste qui était déjà là. Qui était déjà là et qui s'est exprimé, je veux dire, ad libitum, je veux dire, ad nauseam, dans toute une production journalistique, académique, intellectuelle, savante, où le continent n'était vu qu'à travers ces crises. On avait du mal à plonger au plus profond et comprendre où est-ce qu'elle s'enracine, etc., etc. Donc, c'était important pour nous de faire ce travail-là, de convoquer les intellectuels du continent, ces penseurs, ces artistes, les gens qui travaillent sur le continent dans des disciplines différentes, de reprendre le chantier et de penser ces sociétés et de les regarder de manière plurielle, de manière fine, de manière complexe, de ne pas nier les défis qui étaient les nôtres, mais de considérer que nous avons agi, mais peut-être que nous sommes agités dans plusieurs sens et que peut-être qu'il fallait faire une pause et regarder tout ça et essayer de voir quels étaient les chantiers prioritaires, y compris quelles étaient les questions fondamentales auxquelles on devait répondre. Est-ce que c'est le système éducatif? Est-ce que c'est le politique? Est-ce que c'est l'économique? Voilà. Et puis essayer d'y voir beaucoup plus clair. Je dirais une tentative de plus grande lucidité sur nos réalités. Et nous ne pouvions pas délocaliser ou confier à autrui le travail de lucidité sur qui nous sommes et surtout sur qui nous voulons être. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'avec cette idée que notre identité n'est pas tant dans l'histoire ou le passé, elle est dans qui nous voulons devenir comme groupe humain, où voulons-nous aller, quelles sont les horizons que nous nous donnons, quel est cet atopos, ce lieu vers lequel nous voulons, puisque nous estimons que c'est le lieu qui réalise nos aspirations les plus profondes. Mais faudrait-il que ces lieux nous en discutions? Donc, quelle économie voulions-nous? Quel rapport avec l'écologie? Quel rapport avec la culture? Quel type de mutualité? Que signifie bien vivre? On pouvait remplacer des catégories comme le développement. En Amérique latine, ils ont le bon vivre. Ils ont tout un tas de catégories qui vont au-delà de l'économicité, qui embrasse d'autres dimensions de l'être au monde, qui n'est pas juste la production économique. Que veut dire une société équilibrée, harmonieuse, et comment nous envisageons tout cela? Et c'est à partir de la définition de ce projet que nous pouvions mettre ensuite, dans un second temps, les ordres du savoir-faire, les ordres techniques, au service de finalités que collectivement nous avions élucidées et que nous avions définies. Et que rarement les peuples africains ont été convoqués à une discussion sur leur devenir. Ils ont dû faire avec. Développement, crise des années 70, ajustement structurel, crise de la dette, etc., etc., etc. Et à l'intérieur de cette dynamique temporelle, les individus font comme ils peuvent, essaient de s'en sortir, etc. Et donc il nous a semblé important que ce travail-là était une pierre, quoi, et qu'on ne pouvait pas le considérer que c'était de la théorie, ça ne servait à rien, il fallait agir. Est-ce que nous étions sur le bon chemin pour agir? Et donc, parce qu'il y a quand même une sorte d'anti-intellectualisme et une grande déconsidération de la pensée comme étant quelque chose d'inutile, parce qu'il faut faire les choses, il faut montrer que c'est efficace, il faut montrer que ça prouve, en oubliant que tout ce qui a été fait de fondamental et d'important est né des imaginaires, est né de la pensée, c'est des humains.
Je veux dire, rien ne se fait en dehors de ces espaces-là d'abord. Je veux dire, Cornelius Castoriadis montre bien que les sociétés s'instituent fondamentalement d'abord dans leurs imaginaires. Avant une production matérielle des choses, il y a un lieu où l'on pense, on configure, on rêve, on dessine, on entreprend. Et ce lieu est absolument fondamental. On ne peut pas considérer qu'il n'est pas nécessaire, qu'il est accessoire dans une époque où l'utilité pratique semble être la plus grande valeur. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce chantier, puis on l'a appelé les ateliers, avec l'idée que c'est une forge. On y arrive ensemble, on pense ensemble, on se confronte, on ne prétend pas détenir la clé, mais on met en atelier, on met en travail un certain nombre d'idées et on les met collectivement. Et puis à la fin, on publie des actes. On laisse une archive à disposition et puis on publie, voilà. On laisse des traces pour ceux qui veulent entreprendre le chantier avec nous et mettre en atelier une pluralité de visions qui nous sont importantes à interroger. Merci infiniment. Je crois bien que j'ai pas menti. Pardon? Non, je demandais à la traductrice, est-ce que j'ai assez ralenti? Oui. Je pense que c'est bon, oui. Oui, okay. Je pense que ça le fait. C'est juste qu'on n'a pas assez de temps, alors que j'ai des questions qui me travaillent l'esprit, le cœur et les tripes. Je vais devoir choisir, et je pense que je vais choisir ton... Dans le livre Flotopia, comme dans les autres textes que tu as fait jusqu'à date, il y a une utopie. Et ton utopie, c'est de voir ton continent, l'Afrique, qui est non seulement ta terre-mère, mais aussi le lieu de tes recherches. Voir cette Afrique porter l'humanité à un autre palier. Tu dis à la fin de ce livre quelque chose de très beau. Là, je regarde mon amie Gabrielle qui est ici. Elle va aimer ça. Tu parles d'une Afrique qui doit exhumer et revivifier l'humanisme profond de ses cultures. C'est une évolution spirituelle qu'il lui faut opérer. Tu poses la question du développement de l'émancipation sur le plan spirituel en disant qu'il nous faudra opérer une révolution spirituelle et qu'il te semble que l'avenir de l'humanité se trouve de ce côté-là du monde. Ce jour-là, comme au premier job, l'Afrique redeviendra le poumon spirituel du monde. Et quand je lis ces lignes-là, comme d'autres lignes que je lis dans ton texte « Habiter le monde » sur la question de la relationnalité, je me dis « Ok, nous sommes invités au cœur d'une communauté qui pense au développement international. » Et ma question, c'est, de ce point de vue-là, qu'est-ce que l'Afrique peut apporter et à quelles conditions? Le continent peut apporter énormément. En fait, il a été placé dans l'ordre du discours et de la représentation dans une position d'enfance. Je veux dire, il est victime de ce que j'appelle un impérialisme compassionnel. Quand on veut aider le monde, quand on veut être charitable, ben, le terrain de prédilection, c'est le continent africain. Il y a des écoles à construire, il y a des gens à sauver, il y a des problèmes à résoudre. Et à force d'être pris dans les raies de cet impérialisme compassionnel, ben, on a réduit la dimension du continent à sa part handicapée, handicapante, souffrante. Et le continent même a coopéré lui-même à cette situation. Je veux dire, ce ne sont pas que les autres qui sont responsables. Elle peut refuser, en fait, de recevoir de la compassion. Elle peut refuser d'être l'objet de... Mais l'entité symbolique, sans généraliser qu'elle est, il y a maintenant quelques États qui refusent, qui mettent une exigence de dignité et qui tiennent à ce que la solution à leurs difficultés ne soit pas toujours délocalisée, qu'ils soient les premiers qui entreprennent les solutions à leurs difficultés. Mais généralement, quand même, il y a une sorte d'impérialisme compassionnel qui est dominant et qui configure le rapport et l'image qu'on a du continent et qui le réduit. On oublie que
Là où les formations sociales, historiques, humaines sont les plus anciennes, c'est le continent africain. C'est le lieu où l'expérience humaine est la plus longue, tout simplement. Parce que la vie y est née. Homo sapiens a quitté l'Afrique par l'isthme de Suez et Gibraltar et a fécondé le monde, les Europes, les Asies, les Océanies, mais la vie a continué sur le continent. Et les continents ont connu des régimes d'historicité plurielle, ont connu des histoires longues, des acmés, des déclins. Il y a une fondamentale, riche expérience humaine qui est là. Ils ont su tisser le lien, articuler la rendre, préserver la vie, la rendre durable, la transmettre et faire face à la multiplicité des défis que l'existence pose aux individus et aux collectivités. Il y a une ressource, une archive qui est incroyable, mais qui est absolument incroyable. Et d'ailleurs, le continent a été résilient. Il a subi ces 5 derniers siècles de grands chocs historiques. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais il y a d'autres endroits du monde où des peuples ont été moins résilients lorsqu'ils ont subi des chocs similaires. Donc, là, il y a une ressource fondamentale qui est là. Et qui peut être voilée par une lecture juste de crise, une lecture liée à un agenda de crise. Il y a eu un coup d'État dans tel pays, il y a eu des réfugiés là-bas, il y a eu tel, etc., etc., qui, bien que ce soit une réalité d'un continent en mutation et en travail, mais qui ne résume pas fondamentalement ce qu'est le continent. Et c'est ça la grande difficulté. Donc, ça, c'est une chose fondamentale. Lorsqu'on observe nos grands défis, je veux dire, c'est quand même des défis de sens. On a une cosmologie mécaniciste du 19e siècle, un ordre mécanique, qui a voulu soumettre le vivant, le monde, qui a voulu le contrôler, qui a voulu le dominer par une technoscience. La crise est d'abord une crise de sens et qui met en branle une mécanique qui, pris dans sa démesure et dans son hubris, obère les possibilités de reproduction du vivant, obère la biocapacité de la planète, donc l'étouffe. Et la révolution qu'il nous faut, ce n'est pas une révolution technique. Non, c'est justement, c'est une sagesse qui pourra orienter notre puissance d'agir sur le réel vers des finalités heureuses et harmonieuses. Nous avons surdéveloppé notre puissance d'agir sur le réel et presque atrophié nos capacités de production de sens. Et c'est ça la grande question. Je veux dire, bien évidemment, il faut acquérir un savoir technologique, organiser les sociétés et être copropriétaire et co-gestionnaire du savoir humain qui est en commun. Bien évidemment, l'idée, ce n'est pas de dire de ne pas savoir, mais ce n'est pas ça fondamentalement dont on a le plus besoin aujourd'hui. Et de ce point de vue, il me semble que le continent a énormément de choses à apporter. Je veux dire, l'idée est sortir du complexe de la scientificité. Le Césaire, dans lequel on retourne au pays natal, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, mais qui ont exploré les multiples coins de la souffrance. Je veux dire, à un moment donné, il a été de bon ton de revendiquer, de dire oui, bon, nous n'avons pas scientifiquement, nous ne sommes pas les premiers, mais quand même. Je veux dire, même ça, il faut sortir de ça. Je veux dire, c'est pas ça la question. La question, ce n'est même pas d'être dans un complexe de rattrapage d'un déficit scientifique pour montrer qu'on est aussi intelligent que les autres. Ces productions-là sont le fait de l'humanité tout entière. Si on en refait les archéologies et les généalogies, tous les groupes humains y ont contribué. Je veux dire, ni plus ni moins. C'est un patrimoine commun. La question pour moi, c'est où est-ce qu'il nous manque de la lucidité? Où est-ce qu'il nous manque du sens? Qu'est-ce qui nous manque en fait? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Et où est-ce qu'on doit mettre l'effort? Et de ce point de vue-là, ben, je prends l'exemple simple, la question de la migration dite internationale, qui pose un problème et que les Européens appellent le problème et dont déjà ils le qualifient en tant que problème. En Afrique, vous avez des sociétés qui accueillent 40% d'étrangers, 45% d'étrangers. Je veux dire, si on devait classer les nations sur une échelle normale et voir quelles sont les nations les plus hospitalières au monde, les 10 premières places seraient occupées par des pays africains. Ce sont ces nations qui sont censées être les moins riches et qui pourtant accueillent le plus d'étrangers et qui partagent ce qu'elles ont avec. Celles qui sont censées être le plus riches mettent des dispositifs dans la Méditerranée, produisent de la mort à leurs frontières. De 2000 à aujourd'hui, il y a 40 000 individus qui sont morts dans la Méditerranée. 40 000. Parce qu'on délocalise la frontière, je veux dire, etc., etc. Et on considère que, je veux dire,
Voilà, un monde qui a assez de ressources pour nourrir deux fois sa population mondiale n'est pas capable d'organiser une circulation harmonieuse des individus sur des territoires, un partage des richesses et des choses que rationnellement nous pouvons faire. Et le compartiment, certains ont le droit à un usage du monde, aller où ils veulent, d'autres sont enfermés du dedans et du dehors. Un système économique qui produit des inégalités profondes. Et on n'est pas capable d'avoir une équité territoriale mondiale. Faire en sorte que dans tous les lieux de cette planète, qu'il y ait des conditions dignes de vie qui soient proposées aux humains, pour que dans chaque lieu de ce monde, on puisse vivre dignement. Et que si dans certains lieux, il y a une surpopulation et que d'autres lieux sont moins habités, que l'on puisse répartir les flux humains comme ça s'est fait de tout temps quand les chasseurs-cueilleurs ont quitté des lieux parce qu'ils avaient épuisé la biocapacité de cette zone, et ils sont allés un peu plus loin pour trouver d'autres ressources, et un peu plus loin, et un peu plus loin, jusqu'à peupler le monde entier. Et cette dynamique qui est fondamentalement la vie de la Terre, le sang de la Terre, qui est liée au peuplement de la Terre, qui est liée à un droit d'habiter la Terre, et surtout à un droit de vie. Nous sommes incapables, malgré nos progrès scientifiques, malgré le fait que nous explorons les univers et le cosmos, nous sommes incapables d'organiser sur notre petite planète une petite vie intelligente et harmonieuse. Donc, ce qui nous manque, ce n'est pas de la technique, ce n'est pas du savoir, ce n'est pas de la capacité d'agir. Ce qui nous manque, justement, quoi, c'est une révolution spirituelle, c'est une conscience aiguë, spirituelle entendue comme la pointe fine de la conscience humaine. Ce qui nous manque, c'est une maturité et une densité de la conscience humaine. C'est ça qui fondamentalement nous manque. Et comment amener cette maturité et cette densité de la conscience humaine à la gouvernance et que ce soit elle qui dirige. Le vaccin, aujourd'hui, on est dans un monde où on a des vaccins. Certains ne veulent pas lâcher les brevets, ce n'est pas rationnel. Si on vaccine que l'Europe occidentale, ben, le virus, il reviendra. Tant qu'il y aura des endroits où il pourra muter, se démultiplier, ben, il reviendra, quoi. Et puis on sera encore dans le cycle masque, vaccin à nouveau, variant. Il faut qu'on coopère. Il faut qu'on fasse humanité ensemble. La pandémie nous a montré que nous partageons une même condition humaine. On a fait monde de manière négative et nous n'arrivons pas à faire monde de manière positive. Nous n'arrivons pas juste à tirer les leçons de cela. Qu'est-ce qui se passe? Les atavismes, les égoïsmes nationaux, des pays d'Europe occidentale achètent 4 fois ce qu'il leur faut, réservent des doses jusqu'en 2024, se mettent dans l'initiative COVAX pour les pays les moins dotés. Etc., etc. Et donc la logique du clan, la logique de la tribu, quoi, etc., etc. Et il me semble que c'est dans ces espaces-là qui fait partie de la communauté. Nous faisons tous partie de la même communauté humaine. La communauté, ce n'est pas la communauté de mes semblables au regard de la couleur de ma peau, de mon niveau de vie, de la langue que je parle. La communauté devrait même être celle du vivant, je veux dire, au-delà des humains, quoi, faire communauté avec le vivant. Et c'est sur ces questions-là qu'on regarde les humanités africaines, les sociétés africaines, et qu'on les décortique, on se rend compte que sur toutes ces questions, elles ont fait un long chemin, en fait. Elles ont fait un long chemin, elles ont su intégrer la différence énormément, elles ont su retisser le lien social, elles ont su produire de l'être ensemble, elles ont su intégrer les autres. Elles ont bien évidemment leurs ombres et leur crépuscule, il ne s'agit pas de les idéaliser, mais sur ça, elles ont produit des outils d'intégration, des outils de production d'êtres collectifs, des manières de partager les ressources, des manières de faire communauté avec les uns et les autres, et de ne pas laisser les uns et les autres au bord de la route. Et il y a là des ressources fondamentales que l'on pourrait partager, que l'on pourrait fondamentalement partager avec le reste du monde, à condition d'arrêter de se considérer comme les derniers de la classe, dont le seul rôle serait de prendre le train en marche et qui n'aurait rien à apporter à ce que Senghor appelle le banquet de l'universel, mais surtout identifier ce dont on a besoin. Et je reviens rapidement sur l'économie. Ce que l'on appelle sous-développement dans le continent africain, je le considère comme une résistance des cultures africaines à une forme d'économie néolibérale. C'est-à-dire que le tissu social a résisté fondamentalement. Du coup, toutes les formes d'économicité que le continent produit, qu'on appelle économie informelle, qui ne sont pas du tout informelles, elles sont formalisées différemment. C'est des économies relationnelles, c'est des économies populaires fondées sur la socioculture, c'est des économies enchâssées dans le social, comme le dit Polanyi, et c'est des économies qui, dans le geste de l'échange, remplissent quelque chose qui va au-delà de l'échange matériel, crée du lien, redistribue, crée du sens et ne sépare pas l'économique du reste. Dans l'échange, il y a plus qui se joue que juste l'échange de la matérialité. Et c'est des économies qui sont intégrées et qui sont en symbiose avec le reste du social.
Là, il y a quelque chose à regarder. Dans notre désir de réinventer des formes économiques, il y a des ressources. Il ne s'agit pas peut-être de les répliquer telles quelles, mais il y a énormément de ressources intéressantes à penser. Le continent n'est pas assez industrialisé, et tant mieux, puisque c'est celui qui, aujourd'hui, contribue le moins au réchauffement climatique. 4% de la pollution des gaz à effet de serre du monde vient de tout le continent africain. La France, à elle seule, elle représente 1%, un seul pays, le continent 4%. Donc, si nous devons changer de modèle, si nous devons sortir des énergies vraiment fossiles, si nous devons créer des économies vertes ou des économies bleues, ben on a là un laboratoire, on a là un terrain d'expérimentation d'une nouvelle forme d'économie qui pourrait fonctionner et qui pourrait inspirer d'autres lieux, puisque nous ne sommes pas totalement enfoncés dans l'aventure industrielle du XXe siècle. Donc, nous pouvons faire différemment et nous pouvons apprendre des erreurs de l'aventure du XXe siècle. Mais pour le faire, il faut considérer que il faut sortir de l'imaginaire du rattrapage, que nous devons rattraper. Non, on ne rattrape pas une erreur, quoi. Si vous avez pris le chemin avant moi et que vous avez commis des erreurs sur le chemin, si je pars après vous, ben je peux éviter les erreurs que vous avez prises. Je peux regarder les bons aspects de votre cheminement, mais je peux aussi regarder les erreurs que vous avez faites et ne pas les reproduire. Donc, c'est pour ça qu'il faut sortir de l'imaginaire du rattrapage. Ben, on ne rattrape pas tout, quoi. Il y a pas, tout n'est pas à rattraper, en fait. Je veux dire, il y a juste à apprendre et à faire les choses au mieux. Et c'est pour ça que l'idée de dire, OK, le projet, c'est de porter l'humanité à un autre palier. Nous avons dominé le vivant, mais nous nous enfonçons dans des impasses. Comment est-ce que nous allons ailleurs? Et comment est-ce que nous évitons de reproduire l'impasse? C'est ça la grande opportunité que nous avons. Mais cette opportunité, nous pourrons la mettre en œuvre que si nous sortons d'un regard handicapé et déficient sur nous-mêmes, et si nous sommes en mesure de faire le tri, de prendre cet héritage de l'humanité, et comme dit René Char, un héritage qui ne soit précédé d'aucun testament. Il n'y a pas de testament. Nous l'utilisons, nous le passons au tamis, et si nous devons réinventer les formes, nous les réinventons. Si nous devons emprunter et assimiler de manière créatrice, nous le faisons. Mais nous redevenons les sujets de notre histoire. Et c'est ça l'idée. Et de ce point de vue, le continent a une opportunité fondamentale. Il ne faut pas qu'il soit le lieu où se rejoue la folie de l'économie néolibérale et capitaliste, dans ce cas-là de plus démesuré. Il ne faut pas qu'il soit le lieu où on espère une croissance à deux chiffres, puisqu'il y a encore des ressources naturelles, puisqu'il y a encore de la terre arable, puisqu'il y a encore de la vitalité. Il faut qu'il soit le lieu qui utilise ces ressources dans un modèle beaucoup plus harmonieux. Et puisqu'on a l'espace pour le faire, et puisque quand Bruno Latour se pose la question de savoir où atterrir, c'est une très bonne question, ben, nous n'avons pas pris nous n'avons pas pris cet avion-là. Nous ne l'avons pas pris. Donc, la question pour nous, elle n'est pas de celle de où est-ce qu'il faut atterrir, c'est qu'il ne faut pas décoller dans cette direction-là. Et où est-ce que nous devons aller? Et là, ben, justement, le continent est une véritable opportunité, mais ce n'est pas l'opportunité de rejouer le jeu dont on sait qu'il n'est pas soutenable à long terme, dont on sait qu'il a une empreinte écologique forte, un jeu qui carbonise le vivant et qui accroît l'entropie du vivant. Je veux dire, on a des espaces où on peut produire une économie de la négentropie et une économie repensée et surtout réenchâssée dans de la pollution de sens. Et c'est ce que les Africains font déjà tous les jours, sans le penser, sans le théoriser, sans en faire des bouquins, ils le font tous les jours dans les pratiques. Et c'est là où les anthropologues, les économistes, les sociologues ben, ont juste à aller observer ce qui se fait, à en faire théorie, en faire catégorie, et extraire d'une connaissance, d'une expérience vécue, pratique, qui existe, qui est vieille, qui est ancienne, ben, des ressources pour réinventer nos formes d'économicité et notre rapport au monde et notre être au monde. Merci infiniment. Toi qui écris sur la crise de la relationnalité, c'est tout un privilège de s'engager dans un dialogue avec toi. C'est pour ça que je n'ai aucune envie de garder la parole pour moi tout seul. Je voudrais inviter notre public à poser des questions pour se joindre à cette conversation. Si vous avez envie, il y a moyen soit de lever la main et de nous parler ou d'écrire dans le chat, comme vous voulez. À vous la parole. Oui, Catherine.
ton micro. Oui, il fallait qu'on m'autorise à débloquer mon micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà pour cette conférence, cette discussion. Merci beaucoup, Monsieur Sard, d'avoir partagé vos connaissances, vos propos super passionnants. Aujourd'hui, je suis là à titre de représentant de la FFQ, là, donc de la Fédération des femmes du Québec. Merci beaucoup, Jeanne-Marie, d'avoir tenu cette conversation-là aussi. Donc, je vais poser une question plus orientée vers ce chapeau-là, mais Catherine Joubert, l'étudiante, l'académique, aurait aussi beaucoup de questions à poser. Mais dans le cadre dans lequel je suis en ce moment, qu'est-ce que vous pourriez dire, M. Sard, sur le rôle des femmes? C'est sûr, vous avez atteint plusieurs points, vous avez touché à plusieurs sujets, mais le rôle des femmes, des femmes africaines et encore même, des femmes en général dans ce contexte-là, comment vous le voyez, notamment dans ces échanges de pratiques, moi, j'aime bien dire, c'est ce nouveau monde repensé. Comment vous le voyez, ce rôle pour les femmes là-dedans? Si je prends tout. Oui. Un grand merci pour ta question. Si je prends un pays comme le Sénégal, mais je pense que la statistique est à peu près la même dans tout le continent africain, il y a plus de femmes que d'hommes. Au Sénégal, je pense que c'est 52-48%. Et on ne peut objectivement pas penser le réveil du continent, penser son épanouissement, penser son déploiement en omettant plus de la moitié de la population. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et la nécessité de faire en sorte qu'elles accèdent à l'éducation au même titre que tout le monde, que toutes les entraves, à la pleine réalisation humaine, économique, culturelle, psychologique, toutes les limitations de ce qu'on appelle la condition féminine et toutes les difficultés que l'on œuvre sérieusement à les lever, on ne peut pas faire l'économie de cette réalité-là. On n'ira nulle part. Et je sais qu'il y a énormément, souvent il y a une sorte d'héroïsation de la femme africaine parce qu'elle fait beaucoup de choses, elle s'occupe de la famille, elle travaille, c'est une productrice, elle est gardienne de la mémoire, elle le transmet. Et avec la limite de considérer que même les difficultés dont elle fait face tous les jours, si on la dépeint comme une héroïne, quelque part, on les accepte. L'idée de la maman Africa qui peut tout transcender, qui peut tout gérer, qui peut tout faire, bien évidemment, c'est le cas. C'est l'expérience que nous faisons. Mais des fois, je trouve que cette hyper-héroïsation, empêche de juste dire mais non, ce n'est pas normal qu'elles doivent s'occuper et de la maison, et du travail, et du champ, et qu'il y ait une sorte de surcharge sur elle et que ses droits fondamentaux ne sont pas respectés, qu'elle n'a pas accès à la propriété, qu'elle n'a pas accès à la terre, etc., etc., etc. Je pense qu'il y a un vrai travail d'équité, de justice qu'il faut faire vis-à-vis donc des femmes du continent, et elles sont plus de la moitié du continent. Donc cette question-là, on ne peut pas en faire l'économie. Un programme politique progressiste qui omet cette question, justement, ne transformera pas le continent. Donc il faut fondamentalement créer les conditions d'un plein épanouissement dans toutes les dimensions de l'être et de l'être social de ce que l'on appelle les femmes africaines et en faire une exigence absolue. Puisque c'est une exigence humaine d'abord, mais c'est une exigence aussi rationnelle. Donc si on regarde le continent et la démographie et les fondamentales ressources que les femmes sont. Merci beaucoup, Féluine. Il y a Sarah Charlin-Fauché. Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Là, c'était vraiment intéressant. Moi, je suis coordinatrice d'un organisme en éducation à la citoyenneté mondiale. Mais à la base, c'est un organisme qui fait partie des organismes de coopération internationale au Québec. Donc, c'est des questions qui se posent depuis plusieurs années. Puis, il y a un long travail qui se fait de décolonisation, justement, de nos esprits, de nos pratiques. C'est une discussion qui est en cours depuis quelques années. Puis, pour ramener un peu le monde des idées au monde un peu du terrain, je me questionnais
comment, parce qu'on vit encore dans une société capitaliste, on vit encore dans une société coloniale où justement les relations que j'ai avec les autres, notamment les personnes qui migrent pour trouver un autre territoire où habiter, même si je veux être dans une posture le plus accueillante et décoloniale possible, je veux dire, j'ai un rapport de pouvoir, j'ai les papiers, je suis sur le territoire où il y a des ressources. Donc, tout de suite, il y a quelque chose de même, je me demande si à la base, il n'y a pas quelque chose de biaisé dans la relation duquel je me sens prise, en fait. Puis après, ça, c'était une chose, pas vraiment une question, mais c'est quelque chose qui est là. Dans ces rencontres-là, en fait, dans les rencontres qu'on fait dans ce monde qui est colonial et où on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes accès au pouvoir et aux droits. Après, nous, on est dans la transmission beaucoup justement de savoir qu'on considère comme essentiel pour survivre, si on veut, par rapport à la crise écologique, par rapport à la crise sociale. On essaie de ramener ce serait quoi les savoirs essentiels. Puis c'est parce que justement, on considère qu'il y a des transmissions qui se sont perdues sur notre propre territoire par rapport à comment le vivre, l'habiter, vivre en cohésion, mais sur notre planète aussi. Est-ce qu'il y a une façon d'avoir une transmission décoloniale? Est-ce que comment je peux rencontrer l'autre et partager des savoirs que je considère essentiels pour la survie de tous, qui peuvent être. C'est plus facile quand ils sont très territorialisés, mais à partir de quand je les mets plus grands, à partir de quand je me dis que justement, c'est les changements climatiques aussi qui nous affectent toutes, c'est le système alimentaire mondial. Mais là, je me retrouve dans des grandes idées où je ne veux pas tomber dans un prosélytisme par rapport aux idées, puis aux savoirs, puis aux choses que je considère essentielles pour notre survie commune. Surtout de ma position justement de blanche qui habite dans un pays. Mais en même temps, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit, mais c'est essentiel. Je veux dire, est-ce qu'on veut survivre tout le monde ensemble ou pas? Comment on va faire sur cette petite planète? Qu'est-ce que serait que ces relations, puis cette transmission-là, ces alliances-là, ces rencontres-là dans une perspective décoloniale, considérant qu'on est encore dans un monde colonial? Au-delà du monde des idées, peut-être un peu concrètement aussi, juste comment ça s'applique. Je sais qu'il n'y a pas de recette, là, mais ramener sur le terrain un peu. Je pense que la question que vous posez est centrale. Parce que déjà, la première entreprise, et j'ai le sentiment que c'est déjà fait, c'est juste l'entreprise de lucidité, quoi. La lucidité, elle est difficile chez tout le monde, quoi. Mais on ne choisit pas ses héritages. Je veux dire, on est quelque part, on appartient à une culture donnée, on est le produit d'une certaine histoire. Ça, en tout cas, dans le monde visible, ça n'enlève pas de nos choix. Même si certaines cultures estiment qu'on choisit la famille où est-ce qu'on arrive. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ce que l'on peut faire, on peut consciemment œuvrer à ne pas prolonger un geste qui serait un geste inique. Et c'est peut-être ça la responsabilité individuelle, se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais de cet héritage-là et moi, dans mon rapport au monde, en quoi je prolonge la non-mutualité, en quoi je prolonge, je veux dire, la symétrie, ou en quoi je la réduis, ou en quoi je contribue à une autre relationnalité. Et sans se prendre pour un démiurge, en se disant ben, quels sont mes terrains d'action, où est-ce que je peux agir, à quelle échelle. Et c'est fondamental que justement je circonscrive l'échelle à laquelle je peux agir. Ben, je suis un chercheur, je me dis que mon travail, en tout cas, c'est de produire de l'intelligibilité, de faire en sorte que les questions que j'aborde, je les aborde avec un peu plus de clarté et qu'au moins, ça, c'est un terrain que je circonscris et je peux avoir une réflexion sur mon geste. Je pense que déjà, ça, c'est fondamental. Après, la question des échelles, bien évidemment, c'est une question délicate et on ne sait jamais jusqu'où aller et où est-ce qu'effectivement ça commence à se transformer en projet civilisationnel, en prosélytisme, en nous avons trouvé la solution, donc vous devez l'adopter. Et c'est une question toujours délicate. Mais je pense que être dans une pédagogie horizontale, être dans un questionnement, je dirais, perpétuel sur le sens, sont quelques garde-fous. Sur quelques garde-fous, ne pas considérer qu'un geste, il est donné, il est acquis une bonne fois pour toutes, et que sa valeur, elle est établie, elle est préétablie. Je veux dire, et se poser toujours la question de la pertinence du geste que l'on pose, quoi, et être dans cette, je dirais, dans cette tension interrogative,
je veux dire, ça me semble salutaire. Ça me semble salutaire, quoi. Je pense juste que nous tous, on est toujours en train de rechercher des chemins de lucidité et qui ne sont jamais fondamentalement acquis. Et que dès l'instant qu'on pense qu'on est sur une doctrine qui fonctionne, et il faut l'interroger, quoi. Et je pense que l'interrogation, l'inquiétude philosophique, ce n'est pas l'inaction. Je pense que l'inquiétude philosophique, elle peut nous accompagner dans les actions que nous posons tous les jours. Et que les deux vont ensemble. Je peux continuer à agir et continuer à être inquiet philosophiquement, à toujours interroger les finalités de mes actes. Il y a quelque chose qui relève de l'humilité, de la prudence, et ça n'empêche pas d'agir dans le sens que l'on estime être le bon sens, tout en renonçant à une totale lucidité, tout en sachant que nous sommes dans ce que Edgar Morin appelle une écologie de l'action. J'agis dans un espace. Mon action entre en interaction avec une pluralité d'actions dans un système dynamique ouvert. Ce qui se passe est la résultante d'une pluralité de dynamiques. J'en identifie certaines qui me semblent fécondes et je mets de l'énergie dans ce sens-là. Et je sors de la tentative du démiurge. Ben, ce qui va en résulter est le résultat de la pluralité. Mais j'aurais eu la conscience que, en tant que sujet, j'aurais choisi là où je mets de l'énergie dans le système dynamique ouvert, en sachant que le temps des sociétés n'est pas mon temps, le temps des processus n'est pas ma temporalité à moi, mais je contribue à un processus dont continuellement j'interroge la lucidité et la pertinence. Donc, cette interrogation continuelle et inquiète me semble être un garde-fou absolument important. Et en vous écoutant, j'ai eu le sentiment que c'était fondamentalement votre cas, en fait. Merci, Félin. Avant de passer la parole à Geneviève, j'ai une question que Tamara a posée en premier. Oui, vas-y. Tamara? Ok, alors. Pardon, j'avais mis sur mute. Ça s'est barré le son. Excusez-moi, parce que moi, je suis une transcription à côté, donc peut-être un peu maladroit. J'ai lu la conférence. J'ai compris l'essence de la présentation, mais je n'ai pas tous les détails, le raffinement. C'est vraiment l'essence, parce que c'est comme peut-être beaucoup abrégé. Donc, ma question va aller avec ce que j'ai compris du sens de la conférence. Et qui je suis? Je suis une étudiante en administration publique, mais je ne suis pas ici aujourd'hui en tant que... mon rôle d'étudiant, mais je suis juste une personne qui s'intéresse beaucoup au sujet, ça me passionne beaucoup. Et également, quand j'avais 9 ans, j'ai passé 6 semaines au Togo dans une famille africaine parce que j'avais une amie à mon école ici, puis finalement, on est allé visiter sa famille. Donc, ça m'a beaucoup marqué dans mon jeune âge, et puis c'est de là que part beaucoup mes réflexions. Et je comprends vraiment le sens de qu'on n'a rien à rattraper. Je comprends vraiment le concept. Ma seule question, c'est par rapport à l'espérance de vie, parce que c'est pas la même, par exemple, en Europe ou en Amérique du Nord, c'est pas la même espérance de vie que dans beaucoup de pays africains. Donc, comment réagissez-vous par rapport à ça? Est-ce que ça... par rapport au concept de rattrapage. Si on n'a pas à rattraper, mais qu'est-ce qu'on fait avec la différence au niveau de l'espérance de vie? C'est ça ma question. Je pense qu'en fait, sur les questions d'éducation, de santé, de bien-être économique, pour moi, il n'y a pas de question, quoi. Je veux dire, le continent doit faire en sorte, doit travailler à ce que les individus soient éduqués, soient soignés, et ce que Amartya Sen appelle des capacités, et qu'ils puissent choisir une digne, libre et épanouie. La santé est une capacité, être en bonne santé est un fonctionnement. C'est-à-dire, donc, pour être en bonne santé, il faut des hôpitaux, il faut des infirmiers, il faut de l'infrastructure médicale, il faut que les gens puissent être pris en charge, pour qu'ils puissent mener une vie pleine et épanouie, n'étant pas entravés par des handicaps. Donc ça, c'est des politiques publiques adéquates qu'il faut mettre en place, bien financé dans le continent, et faire accéder à la plupart des individus au bien-être et à la dignité humaine. Il n'y a pas de discussion là-dessus.
Ça, pour moi, ce n'est pas du rattrapage, c'est de l'accomplissement des potentialités humaines. C'est de la production de la dignité humaine. C'est de la production du bien-être. Et ce bien-être, ça doit être une sorte de je dirais, de mission fondamentale. Donc, c'est pas, je dirais, il n'y a pas à rattraper. Je veux dire, c'est juste une aspiration fondamentale humaine qu'il faut accomplir dans tous les lieux du monde pour toute l'humanité. Et l'Afrique n'étant pas hors monde, il n'y a aucune raison que le bien-être ne soit pas une finalité du vivre ensemble. Et l'idée de la comparaison, malheureusement, je veux dire, elle est là et il faut faire avec. Mais je veux dire, l'idée, ce n'est pas de dire en Suède ou au Japon, ils ont tant d'âge, ils ont telle espérance de vie, nous devons atteindre leur espérance de vie. Non, l'idée est de dire, ben, le cadeau que nous avons fait à l'humanité, c'est d'avoir rendu la vie durable au continent africain. C'est d'avoir lutté contre les périls de la vie au début, des premières communautés humaines, et d'avoir transmis la vie. Donc, s'il y a des gens qui comprennent bien que va être rendu durable et pérenne, c'est bien les Africains. Et si nous sommes encore aujourd'hui là, c'est que nous avons survécu à beaucoup de chocs et nous avons survécu à de la négation de notre humanité durant quelques siècles. Et nous sommes encore là, donc nous comprenons que la vie est une valeur. Est une valeur fondamentale. Mais je suis entièrement d'accord qu'il y a ce que j'appellerais des données fondamentales de notre humanité sur lesquelles il n'y a pas de discussion, en fait. Je veux dire, tous les humains aspirent à une vie digne, libre, épanouie. Et les politiques publiques, les politiques qui ont la charge de gouverner nos États, de conduire la marche des sociétés, ont pour mission fondamentale de mettre en œuvre les conditions d'un bien-être et les conditions de la dignité humaine. Et là-dessus, il n'y a pas d'exceptionnalité. En fait, je veux dire, il n'y a pas des groupes humains qui auraient plus de droits et pour d'autres, ce ne serait pas important. Je veux dire, c'est une question fondamentalement de dignité humaine et ça fait partie des défis que nous devons relever. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne le libelle pas sous le label rattrapage. Je le libelle sous le label exigence fondamentale de dignité humaine. Merci beaucoup, Félix. Je vais te lire la question de Tamara dans le chat. Bonjour tout le monde, merci pour cette belle conversation qui nous plonge dans comment penser un nouveau monde. Justement, quel est selon vous, M. Sarr, le rôle des ONG, des organisations non gouvernementales internationales dans ce monde repensé? Un peu plus loin, il y a quelqu'un qui, Elisa, qui va dans le même sens que la question de Tamara, et qui rajoute également un élément à la question sur le rôle des pays du Nord global dans leurs relations avec les pays du Sud global. Je pense que le geste philanthropique, au départ, il faut reconnaître la qualité de l'impulsion première, le désir de dire ici il y a un manque, ici il y a un besoin, ici il y a un déficit, ici nous sommes dans une zone de conflit. Nous allons consacrer des ressources du temps et de l'énergie à y répondre. Donc, je commence par ça avant la critique. Et je pense que ce geste-là, il faut le reconnaître dans, ça, voilà, dans son élan de générosité et d'humanité. Mais les bons sentiments ne font pas le monde, en fait, et ne font pas tout. La question se pose au niveau de la pratique. Comment est-ce qu'on met en œuvre cet élan? Et comment est-ce qu'on le met en respectant l'humanité des autres? Comment est-ce qu'on le met en évitant que dans le même geste, ne pas les déposséder de la capacité d'être les sujets de leur histoire? Et comment on le met en considérant qu'on ne sait pas mieux que ce qui est bon pour eux? Voilà. Et c'est ça les pièges du geste humanitaire. C'est qu'il arrive à des moments donnés que les individus vulnérabilisés soient réduits en objets, que l'on ballotte à gauche et à droite, à qui l'on indique ce qu'il faut faire, et donc on oublie qu'ils sont eux-mêmes les experts de leur propre existence et qu'ils savent mieux que quiconque ce qu'il leur faut. Et comment est-ce qu'on co-construit avec eux les conditions de la sortie de vulnérabilité temporaire dans laquelle ils sont? Et donc, du coup, c'est un geste délicat. Et comment est-ce qu'on n'arrive pas avec en bandoulière l'imaginaire du missionnaire et du bon samaritain? Voilà. Donc, il y a des expériences qui sont très intéressantes, très intelligentes, puisqu'elles s'intègrent, puisqu'elles prennent le temps de connaître, de comprendre, elles prennent le temps d'être en interaction, elles prennent le temps d'être en co-construction, et elles arrivent à ne pas s'installer dans une sorte de verticalité qui finalement réduit l'agency de l'autre
Et puis, il y a des expériences qui arrivent comme ça, comme on roule le compresseur, en ayant compris ce qu'il fallait faire, en ayant déjà toutes les recettes toutes faites, etc., 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 et qui sont problématiques. Bon, du coup, c'est pluriel, c'est une expérience qui est plurielle. Et là aussi, quoi, là aussi, je pense que réellement, si on veut vraiment contribuer à l'édification de l'humanité des autres, bah, il faut pleinement prendre en compte l'humanité des autres et tout ce que ça implique comme rapport soigné au geste que l'on va faire. Et donc, c'est un geste qui est ambigu. C'est un geste qui est ambigu. Quand on enlève les situations d'extrême urgence, il y a un tremblement de terre, les gens n'ont pas de dos, sont dehors, il faut... OK, d'accord, donc là, il faut y aller et mettre en place les conditions de la vie. Je veux dire, là, personne ne discute. Mais en dehors de ces situations d'urgence, quand ça dure, quand ça s'installe, il y a une réflexion profonde à mener sur ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, en vue de quoi et quels sont les écueils qu'il faut éviter. Et je pense que c'est la même réponse pour la communauté internationale ou le développement global international. Je veux dire, ça ne marche pas. Jusque-là, ça n'a pas fonctionné globalement. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de profond à interroger dans la dynamique, dans la manière dont ça s'est fait. Donc, il faut fondamentalement réinventer ce geste sur d'autres bases, y compris philosophiques et épistémologiques. Et on ne peut pas continuer dans ce geste-là, ça ne marche pas. Et fondamentalement, ce qui le sous-tend, dès qu'il y a une crise comme la nôtre, on se rend compte qu'il y a un repli vers les égoïsmes et il y a un repli sur soi. Et que ce qui était proclamé, et que c'est plus un régime déclaratoire qu'une profonde volonté de rendre le monde beaucoup plus habitable et beaucoup plus équitable pour tout le monde. On ne peut pas juste s'arrêter aux déclarations d'intention, on est obligé de regarder que c'est un geste qui est problématique et qu'il faut totalement repenser, mais fondamentalement le repenser. S'il faut de la solidarité internationale, bien évidemment, s'il faut de la solidarité entre les humains, bien évidemment, mais à travers quel mécanisme, dans quelle forme, à travers quel type d'institution, dans quel type de relation le faire pour que ça ait vraiment un sens. Il y a Jean qui lève la main. Oui, c'est ça. On va donner la parole à Jean et on arrive presque à la conclusion. Vas-y, Jean. Moi, je n'ai pas de questions à poser. J'ai simplement l'élan de dire un très grand merci à Féline Sarre pour cet exposé éclairant et extrêmement porteur d'espoir. Et cette contribution me semble particulièrement intéressante dans la mesure où elle démontre de manière magistrale de quelle manière l'Afrique peut contribuer à la construction d'une humanité nouvelle. Et il montre en même temps il répond en tout cas à une question qui me préoccupe particulièrement, c'est comment nous pouvons nous libérer de ce que j'appelle occidentalose, c'est-à-dire cette maladie qui consiste pour les Africains à penser que le salut n'est possible qu'à travers l'Occident. Et donc, dans le contexte où, disons, l'Occident nous amenait où la pensée occidentale nous a amené dans l'impasse où nous sommes aujourd'hui, je crois que ce qui vient d'être partagé ici, c'est un véritable hymne à la vie et ça nous renforce, ça nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Et pour cela, j'ai une gratitude infinie à Féline Sarre d'avoir consenti à nous rejoindre ici et à nous partager son message de vie, d'espoir, de force. Merci. Merci à toi, Jean, pour tes mots aussi si touchants. Merci. Je pense que je vais t'inviter, chère Féline, à nous faire ta conclusion. On aurait voulu continuer à l'infini cette belle conversation qu'on va continuer ailleurs et autrement. Mais comment conclure maintenant? Ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui me rassure vraiment, c'est que pour être quelqu'un qui, bon,
avant la pandémie, qui circulait énormément entre plusieurs lieux, je me rends compte que de tous les coins du monde, il y a des femmes et des hommes de bonne volonté qui veulent réinventer le monde, quoi, qui veulent le reconstruire sur des bases beaucoup plus justes, beaucoup plus équitables et beaucoup plus harmonieuses. Et j'en ai vu dans tous les lieux, quoi. J'en ai vu dans tous les lieux. Et je crois que avant, il y avait dans les relations dites internationales, les États étaient des acteurs fondamentaux. Aujourd'hui, il y a un acteur qui s'appelle les sociétés civiles, qui sont un acteur important et qui des fois agissent à l'encontre de la doxa des intérêts, des rapports asymétriques de pouvoir des États, et que c'est une vraie force, quoi. Et que peut-être le travail qu'il y a, c'est de tisser les liens, de faire en sorte de savoir que ce ne sont pas des insularités, et que c'est un réel mouvement pluriel, multiple, divers, je veux dire au Canada, à São Paulo, au Bénin, au Togo, à Dakar, au Rwanda, et qu'il y a énormément de personnes de bonne volonté qui considèrent que ce monde, il faut le rendre habitable différemment, il faut le rendre habitable pour tous, et qui, à leur échelle, décident de contribuer à cette entreprise-là. Et c'est ce dont je me rends compte. Donc, souvent, le sentiment que j'ai après ce type de conversation, c'est une grande joie et un grand espoir, en disant qu'en fait, que la marée monte, quoi, que on va réinventer, quoi, je veux dire, puisque il y a une réelle prise de conscience que nous devons faire différemment, et il y a une recherche. Quels sont les chemins, comment faire, où aller, quelles sont les priorités, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, sur quel levier jouer. Donc j'aimerais juste vous remercier pour ça, quoi. La préoccupation qui est la vôtre est déjà assez éloquente du chemin fait dans cette direction-là, quoi. Et je suis convaincu que la multiplicité des dynamiques plurielles, elle ne peut pas être vaine. Je veux dire, elle aboutira à quelque chose, même si les features ne sont pas configurables. Mais nous tous, nous travaillons à faire advenir des mondes que nous souhaitons. Et en y mettant du temps, de l'énergie et de l'élan, nous les ferons advenir. Donc voilà. Donc un grand merci à tout le monde. Oui. Grand merci à toi, Félouine. Puis j'espère que tu vas être souvent, maintenant que tu es en Amérique du Nord, que tu vas être souvent le même fuseau horaire. On est sur le même fuseau horaire. Donc c'est un peu plus simple. Voilà. Donc, et particulièrement, merci à Jeanne-Marie et à Maïka. Oui, merci. Moi aussi, j'ai beaucoup de gratitude pour mon amie Maïka et pour cet espace qui nous accueille. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir la voix de l'Afrique dans le concert des voix qui reconstruisent le monde. Ça me soigne le cœur, ça me soigne le trauma colonial, comme diraient quelques amis. Alors, je vais laisser la parole à Maïka, tout en remerciant tout le monde. On a eu un grand auditoire. On est content d'avoir réuni autant de monde. Merci à tous d'avoir été là. Merci à toi, Maïka, et je te redonne la parole. Merci à tout le monde. Effectivement, on a presque brisé notre compte Zoom. À 97 personnes, on était à 3 personnes de créer un effondrement. Je vais terminer, conclure avec les mots de Felwinsar que j'ai mis dans le chat, c'est-à-dire que tout l'intérêt du dialogue, c'est de faire jaillir une vérité qui n'aurait émergé de toi ni de moi seul, mais qui est toujours là en potentialité entre nous, que l'échange fait apparaître et qui n'aurait pas été autrement. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Merci Jeanne-Marie, merci Monsieur Sarr, et on vous promet de vous réinviter en personne dès que possible. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Félouine, tu restes un petit peu là, j'aimerais ça te dire deux mots. OK. Juste s'assurer que le live sur YouTube est terminé quand...